Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. Georges, bonjour. Bonjour, Caroline. Et c'est extraordinaire, hein? Ah, mon jingle, il est génial, hein? Bon, ben, pour un sociologue, voilà. Génial aussi. Très bien. On se lance des fleurs ce matin. Merci, allons-y, merci. Parce qu'on a une bonne chronique encore une fois. On sait que la semaine dernière, on a fait la... Bon, on va poursuivre notre chronique, ou en tout cas notre segment, l'Afrique dans les relations internationales. On a parlé de l'Organisation mondiale du commerce. Là, de l'ONU aussi avant. Ah oui, de l'ONU, bien entendu. L'Organisation mondiale du commerce. Et là, la suite logique des choses, c'est le FMI et la Banque mondiale. Voilà, c'est aussi un moment très important dans ces rapports de l'Afrique avec le reste du monde, cette fois-ci sur la question monétaire et financière. Ce sont ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, les Woods. Ce sont des institutions, en fait, en 1944, comme on l'avait dit, après la Deuxième Guerre mondiale, tout était brisé partout, il fallait reconstruire. Alors, les gens se sont rencontrés à Bretton Woods en 1944 et ont mis sur pied ces institutions avec une spécialisation pour chacune, le Fonds monétaire international pour essayer de stabiliser la monnaie. Hein, vous savez, la monnaie, quand ça s'écroule, ça peut poser des dégâts. Et puis la Banque mondiale, ma foi, pour le développement. Donc, il fallait stabiliser la monnaie et aussi le développement. Mais alors, en ce qui concerne l'Afrique, évidemment, ces deux institutions sont très importantes pour son développement. Alors, tous les pays africains, pratiquement, sont membres de ces deux institutions aussi. On l'avait vu. Pratiquement tous les pays. Alors, ce qui est là... Quand on a affaire à des problèmes d'argent, en finançant des projets de développement partout, l'intervention de l'État. Et la fin des années 70, la fin des années 60, début 70, le premier choc pétrolier aussi, on peut relever pour expliquer un peu ce qui est advenu par la suite. Alors, pour revenir donc au FMI, qui intervient en Afrique à partir des années 1970, parce que les bailleurs de fonds avait besoin d'une régulation financière. Une régulation financière, mais aussi une sécurité, une certaine sécurité, parce que les États empruntent de l'argent. Et les gens qui donnent leur argent ont besoin de la sécurité pour que leur argent soit remboursé. Est-ce que les pays africains pouvaient offrir cette sécurité-là? Mais ils ne pouvaient pas offrir cette sécurité-là. C'est pourquoi le FMI a intervenu. Parce que le FMI apportait quoi? Le FMI apportait sa signature et sa crédibilité aux dettes contractées par les pays africains. Le développement, c'est de l'argent. L'argent, si on n'a pas d'argent, vous avez un projet à réaliser, allez voir les gens qui ont l'argent pour vous prêter cet argent et lancer votre affaire. Et si ça vous rapporte des rendements, et vous remboursez la dette de trouver avec des intérêts. Ah, donc le FMI était là pour ça. Et notamment, les grands créanciers, les grands bailleurs de fonds, il y avait ce qu'on appelle le Club de Paris et le Club de Londres. Le Club de Paris... C'est un bailleur de fonds publics. Bailleur de fonds publics. Et le Club de Londres, c'est un bailleur de fonds privés. Vous voyez, il y a le public et le privé. Ouais, c'est toujours dans les affaires. Il y a les dépenses d'État qu'on décrit, mais il y a aussi le secteur privé. Et on voit bien la distribution entre Paris et Londres, entre l'Angleterre et la France. Ouais, les deux pays colonisateurs. Mais colonisateurs, très bien, vous avez vu ça. Les deux pays colonisateurs avec une sorte de spécialisation. La France avec beaucoup plus le côté solidarité, valeurs sociales. C'est là où est né les droits de l'homme. C'en est la Révolution française de 1789. Donc cette là, un peu du social, faire du social également. Mais l'Angleterre, par contre, c'est le libéralisme. Ouais. C'est le capitalisme par excellence. L'industrialisation. Et Karl Marx, en tant qu'économiste, a terminé sa vie en Angleterre en écrivant Le Capital. Vous voyez un peu cette spécialisation-là. Donc, bailleur de fonds privés, Club de Paris. Bailleur de fonds privés, Club de Londres. Public de Paris. Voilà, c'est ça. Et donc, les pays africains sont rentrés un peu dans ce circuit-là. Et le Fonds monétaire international a chapeauté pour essayer de réguler les prêts. Et à la fin, on voit très bien que le problème de la dette, c'est le problème de la dette qui asphyxie les pays africains. Parce que quand ils prennent ces prêts-là, sont engagés, eh bien, il faut les rembourser.
Ben oui, c'est ça. Et les pays africains n'ont toujours pas la capacité de rembourser et on rentre dans une spirale de la dette. Vous voyez? Alors, mais le FMI, il faut savoir qu'il y a eu des réussites en Afrique. Le FMI a eu des réussites en Afrique et notamment, on peut critiquer, bien sûr, rien n'est incritiquable, mais le FMI a réussi à stabiliser la monnaie africaine. Il y a le franc CFA, bien sûr, aussi. Bon, là, attends, ça, c'est une autre question, puis je veux pas qu'on se lance dans un autre dossier, mais oui. La monnaie africaine. Oui. C'est quoi? Mais la monnaie africaine, fondamentalement, c'est le franc CFA, surtout dans les zones, anciennes colonies françaises. Le franc CFA, communauté financière africaine. D'accord. Vous voyez? Mais alors, cette monnaie-là est utilisée un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, fondamentalement. Mais il y a d'autres pays africains, c'est pas la seule monnaie en Afrique. Non, non, c'est pour ça que j'imaginais bien qu'il y avait différentes monnaies, mais il y en a une qui, disons, qui est un peu plus générale. Voilà. Dans un certain nombre de pays qui étaient sous la colonisation française, notamment. Et on pensait toujours passer par la Banque de France, toujours dans la gestion de cette monnaie africaine. Mais, de toutes les façons, la monnaie est assez stable en Afrique. Elle est assez stable en Afrique. L'autre réussite de c'est aussi la question financière. Bon, l'argent circule de toutes les façons avec le dictat du FMI, mais ça circule quand même. Le problème se pose essentiellement là où la stabilisation se fait, parce qu'il faut stabiliser cela, il faut stabiliser pour que les économies puissent fonctionner. Mais les problèmes se posent là où cette stabilisation se fait par le bas. Ça se fait par le bas, par la baisse des exportations et la baisse des dépenses publiques. Et je vais, Caroline, vous dire que l'Afrique a été marquée par des programmes qu'on appelait le PAS, P-A-S. Alors, ce sont le programme d'ajustement structurel qu'on a imposé à la presque totalité des pays africains. Or, ces pays africains, la caractéristique essentielle de ces pays, c'est quand même de ne pas avoir un secteur privé développé, énergique et rigoureux, qui puisse être faire ce qu'on appelle l'accumulation du capital, comme ça est ici. C'est pas la même chose. C'est un autre niveau. C'est surtout le fonctionnariat en Afrique qui est très élevé. C'est-à-dire que le seul utilisateur de la main-d'œuvre, c'est l'État. Donc c'est des fonctionnaires, des gens qui travaillent. Mais si l'État est incapable de rembourser sa dette, est incapable de gérer et tout cela, ça veut dire que, ben évidemment, les gens se rendent dans des situations très très difficiles. Et si le FMI impose ce programme d'ajustement structurel, et notamment dans ce programme, c'est souvent de réduire la masse salariale des fonctionnaires. Or, en Afrique aussi, quand il y a une personne qui travaille dans la famille, c'est cette personne qui nourrit toute la famille et la famille est élargie en Afrique. Oui, alors, on parle des oncles, des tantes, et ainsi de suite. Et si cette personne perd son travail parce que le FMI a imposé de réduire le grand mammouth, de réduire le nombre de fonctionnaires... Vous connaissez ici alors, le nom d'austérité. L'austérité, mais voilà, on impose une forme d'austérité. Alors, donc voilà ce programme d'ajustement structurel qui a marqué beaucoup de pays africains. Alors, mais ce qui s'est passé en 1995, c'est qu'avec les critiques qui ont été formulées autour de cela, le programme d'ajustement structurel s'est arrêté. Alors, à partir de 75, donc il n'y a plus ce programme d'ajustement structurel. C'est pas non plus nécessairement une bonne chose. C'est pas non plus une bonne chose, mais il y a eu des réorientations. Ça a permis, de se revirer de bord. Absolument. Mais écoute, l'idée n'était peut-être pas mauvaise. Hein? Mais quand on investit dans des pays qui n'ont pas les mêmes structures que les pays occidentaux, il y a nécessairement s'arrêter, évaluer, regarder derrière et évaluer où est-ce qu'on ça n'a pas marché. Et là, le FMI est arrivé à réorienter, n'est-ce pas, son intervention en Afrique et notamment travailler à la réduire la dette, la spirale de la dette. C'est-à-dire que on focalise, puisque la dette est tellement énorme, et quand les pays africains s'endettent, ils remboursent beaucoup plus que ce qu'on leur a donné. Ben oui, puisque même aussi dans notre vie quotidienne à la banque, vous ne payez pas, mais vous payez davantage. Ben oui. Et les pays africains, c'est ça. Donc, travailler, financer le paiement de la dette. On finance le paiement de la dette plutôt que de financer une le développement. Une spirale, on s'en sort pas. Une spirale, on s'en sort pas. Et puis aussi, lutter contre la pauvreté. Voilà, la lutte contre la pauvreté aussi est une démarche du FMI. Ils évitent les États,
Ils encouragent les ONG, ils favorisent les projets de développement communautaire. Là aussi, c'est important. Ah, on est... Alors, on a une petite musique sur fond, là. Ben oui, voilà. OK. Allez, ben, on va continuer. Oui, allons-y. Dans cette musique-là. Je pense qu'on aura un petit arrière-fond voilà, musical. OK, aussi. Une autre chose, c'est de dire que le FMI aussi a commencé à peser moins en Afrique quand même. Son influence commence à se réduire. Pourquoi son l'influence se réduit en Afrique? Ben, c'est par l'émergence d'un certain nombre de pays dont nous avons parlé la dernière fois, les fameux BRICS. Oui. Voilà, les pays émergents. Donc, ce qui veut dire que si le dictat du FMI continue à s'imposer, eh ben, les pays africains ont trouvé un dérivatif. C'est-à-dire que si on peut pas avoir l'argent par là-bas, ben, allons-y chercher l'argent en Chine. De l'autre côté, ben oui, on revient à la Chine. Voilà, toujours. On revient à la Chine et la Chine ne cherche que des pays à qui elle va donner de l'argent parce qu'elle a beaucoup d'argent, les fameux FDI, Foreign Direct Investment. Oui, voilà. Donner pour mieux recevoir. Voilà, de, compte, bien sûr, bon. Bien sûr. Donc, en fait, les pays africains ont trouvé ce dérivatif-là. Ils vont en Chine. La Chine leur donne beaucoup d'argent les yeux fermés. Mais le problème, c'est que quand on a cet argent-là, ils oublient qu'on se rendette davantage. Oui. Parce que la Chine ne vous donne pas son argent. Ben, ils ne vont pas l'oublier longtemps, je pense que... Voilà, tout à fait. Alors, c'est ça. Ben, on peut dire quelque chose sur la Banque mondiale. Oui, un mot peut-être. Oui, rapidement avec la Banque mondiale, c'est que la Banque mondiale est complémentaire au FMI. La Banque mondiale est devenue un peu pour compléter les actions du FMI, mais avec une logique à elle aussi. Donc, fondamentalement, cette Banque mondiale, c'est une banque de développement. Ils ont lancé beaucoup de projets en Afrique. Au départ, c'était la reconstruction. Puis la priorité aussi, là aussi, les priorités ont changé au cours du temps. Puis la priorité est mise sur la lutte contre la pauvreté. Et il y a un élément important dans la Banque mondiale. Quand on oriente vers la lutte contre la pauvreté et le développement, il y a une personne. Il y a une personne qui est essentielle, qui est Robert Strange McNamara. Alors, ça, c'est un Américain qui était secrétaire d'État américain à la Défense pendant très longtemps. Et c'est même la personne qui est restée secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis pendant très longtemps. Et en 1968, il vient à la Banque mondiale. Alors, il vient un jeune très énergique, très déterminé, avec de la ressource, très d'ambition. Et puis, il dit carrément, voilà ce qu'il dit, c'est que les problèmes des pays en voie de développement peuvent être réglés avec une facilité exemplaire. Comment? Alors, voilà. Et donc, ils s'engagent là. Et ça, c'est une autre chronique. Mais on va quand même terminer en disant que l'idéologie aussi a beaucoup changé. Un moment avec Reagan et Thatcher, l'austérité américaine et des États-Unis, la dame de fer. Là aussi, ça, ils ont réorienté le rapport à l'Afrique en mettant l'accent sur l'aspect libéral. Mais l'aspect libéral, on revient sur les mêmes problèmes. Le libéralisme en Afrique, on ne peut pas l'appliquer mécaniquement de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Donc, à partir de là, la Banque mondiale était devenue marquée par ce qu'on appelle le consensus de Washington. Le consensus de Washington, évidemment, c'est l'approfondissement de cette approche beaucoup plus libérale de la chose, laisser le marché libre et tout cela. Mais on ne peut pas laisser le marché libre en Afrique, puisque les économies sont déjà très, très, très faibles. Alors, il y a eu une rupture en 1981 avec le rapport Berg, qui s'opposait évidemment à la vision du tout marché en Afrique, pour les raisons qu'on vient de dire. Il y a eu quelques réussites dans cette approche. Il y a eu le Ghana, il y a eu le Mozambique, et il y a eu l'Ouganda. Mais on ne peut pas dire que ces réussites dans ces trois pays-là étaient dues au libéralisme qu'on a mis en place. Il y a certainement d'autres raisons explicatives qui démontrent un peu le succès de ces trois pays. Donc, pour répondre à ces critiques qui ont été formulées à la Banque mondiale également, eux, ils ont fait comme la FMI aussi, ils ont diversifié les modes d'intervention. Et là aussi, ils sont beaucoup dans la lutte contre le sida, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le choix plutôt des softwares aux dépens des hardware. Ouais. Voilà. Il y a des choix qui ont été faits et ainsi de suite. C'est dommage. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Non, mais c'est pas dommage. On y reviendra. Voilà. On y reviendra certainement. Et puis, on va parler aussi éventuellement parce que février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Voilà. Des Noirs en général au Québec. Absolument. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Le mois de l'histoire des Noirs est fêté aux États-Unis, au Canada.
Canada et en Angleterre aussi. On oublie souvent l'Angleterre. Vous voyez? Ah, absolument. Merci, on rapporte cette Jean, information. Tu nous en apprends toujours. Hein? Mais en Amérique du Nord, ce qu'on appelle l'hémisphère nord, le Canada et les États-Unis, c'est beaucoup plus fort. Mais je ne sais pas si en Angleterre, il y a la même ferveur pour fêter le mois de l'histoire des Noirs. Ben on va le souligner, Jean. On va le souligner. Puis on aura l'occasion de revenir parce que c'est un monde hyper complexe. Ça nous prendrait une émission, deux heures au complet. Absolument. 8h51, Dominique Lelièvre nous revient avec toute l'actualité. Enfin, presque toute l'actualité. Thank you.